Bonjour la famille. Alors, je vous propose aujourd'hui une écoute, un mix, une écoute, voilà, post-production du travail que nous faisons. Là, on est sur un projet. En fait, moi, je travaille sur la composition et j'essaie également de faire une prévisualisation du travail que je fais, ou plutôt de ce que j'attends comme rendu par rapport au travail que nous allons faire avec l'ingénieur. Donc là, ici, vous avez toute la production de A à Z que j'ai montée personnellement. C'est-à-dire, je jouais les guitares, je jouais les pianos, je jouais les percussions. J'ai tout joué de A à Z. Et j'ai également posé les voix. J'ai aussi fait des arrangements et des mixages. Et donc, en fait, la partie 2 consistera pour moi à, lorsqu'on va se retrouver avec l'ingénieur, de pouvoir lui proposer ce que j'ai déjà fait comme travail. Il va écouter. Et après, il va me donner sa version à lui. Voilà. Donc, on va retravailler le projet de A à Z avec lui. Mais tout en sachant qu'il y a déjà une couleur que j'ai proposée à la base. Donc, en fait, c'est le travail de composition que je fais. Et c'est comme ça que je le fais. Je vous le propose. Du coup, voilà, vous me donnez votre impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va faire comme ça sur peut-être deux projets. Je ne sais pas trop. Mais bon, histoire de ne pas avoir une vidéo trop longue, on va essayer de d'écourter ça pour que ce soit vraiment une vidéo précise. Donc, aller droit au but, qu'est-ce qu'on veut montrer dans cette vidéo? En fait, le but ici, c'est montrer comment est-ce qu'on compose un chant de A à Z et comment est-ce qu'on le travaille en logiciel de A à Z, les musiques, les percussions et tout ce qu'il y a comme environnement d'orchestration avant de faire les pauses vocales, les arrangements et les mixages. Voilà. Donc là, nous sommes sur le logiciel GarageBand de Mac. Voilà, c'est une version on va dire, c'est une version semi-professionnel, voilà, c'est pas vraiment pro, c'est semi-professionnel parce que la qualité sonore des VST n'est pas trop celle-là. Donc voilà, prochainement nous allons passer sur Logic Pro pour avoir un rendu beaucoup plus abouti parce que en fait, en poussant un peu plus mes recherches, je me suis rendu compte que Logic Pro est plus avancé que GarageBand. Voilà, donc là je vous propose une écoute d'un chant qui va venir dans voilà, que je vais améliorer, que je vais peut-être publier d'ici là, je sais pas trop, mais bon. Il y a déjà une version sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Rivano Gomez TV, que vous pouvez aller écouter. Et là, on continue toujours de faire aboutir le travail pour arriver à quelque chose de plus fini. Voilà. Donc, au début, vous avez les automatisations qui évoluent au fur et à mesure. On appelle ça les automatisations, c'est-à-dire le son commence bas. Et il s'arrondit jusqu'à arriver à un niveau assez acceptable pour pouvoir produire quelque chose de constant en termes de son, de puissance sonore. Voilà un peu de façon générale le rendu que ça donne. Je pense qu'au niveau des percussions, c'est abordable. C'est bon parce que bon, c'est vrai que les percussions ne sont pas faciles à mixer, mais en faisant un mixage parallèle, c'est-à-dire qu'on écoute quelque chose d'autre et on essaie de reproduire la qualité sonore, ça peut aller.
Et puis bon, ce qui est beaucoup plus important dans le mixage, par exemple, d'un kick, c'est beaucoup plus la compression et éviter de saturer trop les fréquences, essayer de détrier les fréquences, celles qui ne sont pas très importantes, les enlever et ne garder que les fréquences importantes. Donc je pense que dans le mixage d'une percussion, c'est vraiment la chose essentielle. Par contre, dans le mixage d'une voix, il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte. Il y a la qualité sonore déjà, ou plutôt la garder le grain naturel de la voix. Ensuite, en plus de ça, il faut essayer d'améliorer les notes, retoucher, revoir. Mais bon, pour ça, il faut avoir un logiciel qui retouche les notes, tel que Auto-Tune, je ne l'ai pas. Et donc, la voix, pour mixer la voix, je pense que ça, il me faut beaucoup plus de travail. Ça dit qu'il faut beaucoup plus d'apprentissage, beaucoup plus de tutoriels pour comprendre le mixage d'une voix. Et surtout, déjà aussi, connaître le bon niveau en termes de fréquence par rapport au mixage de ma propre voix. Voilà, parce qu'il s'agit ici de ma propre voix que je mixe. Si ça avait été par exemple la voix de quelqu'un d'autre, ce serait plus facile de mixer. Parce que bon, quand il s'agit de ta propre voix, tu te dis, mais je vais essayer de mixer, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça donne vraiment la qualité naturelle et tout ça? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend, parce que pour moi, j'ai l'ambition de finir dans ça vraiment à fond, dans la production musicale en elle-même. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne beaucoup, et j'aime beaucoup travailler sur la musique, j'aime beaucoup travailler sur les arrangements, travailler le mixage, travailler également la production en elle-même, c'est-à-dire jouer les instruments. J'aime beaucoup ce travail, et voilà pourquoi je le partage avec vous. Donnez-moi vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il est judicieux de faire. Voilà, si vous avez aussi des petites connaissances dans le domaine, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout par rapport au chant, comment vous le trouvez. Loin est la connaissance augmentée. Alléluia. J'ai reçu les sept douleurs qui ont conformé ma vie, produisant le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu les sept douleurs qui ont conformé ma vie, produisant le baptême du Saint-Esprit. Toujours là. Ah, ce sont juste les guitares. Donc, il y en a trois au total. J'ai joué trois guitares. Ensuite, vous avez le piano. Donc je vais faire rentrer les instruments pas à pas, chaque instrument à son tour. Moi quand vous faites ça, ça donne une certaine couleur, c'est vraiment très beau de voir chaque instrument rentrer pas à pas au fur et à mesure. Ça, c'est la partie du refrain. Voilà. Ensuite, on va essayer de mettre la basse.
Très intéressant. Je suis bâti sur le roc des sept tonnerres. Je vis dans les sept tonnerres, jamais. Voilà, donc vraiment, donnez-moi vos impressions. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je trouve ça très, très excellent. Et voilà, c'est bon, pas peut-être pas excellent, mais c'est très beau. Mais en fait, quand on va... Voilà, parce que ça permet en fait quoi? Ça permet de donner des idées bien précises à l'ingénieur. Ça dit que lorsqu'on compose dans cette dynamique-là, moi j'ai déjà une idée claire, une idée précise. L'ingénieur qui vient, en fait, ça lui donne plus d'inspiration. Vous voyez, quand vous jouez sur une musique qui est déjà jouée, qui est déjà pensée, c'est plus facile pour vous d'ajouter les choses. Par contre, lorsqu'il s'agit d'imaginer, lorsqu'il s'agit de créer quelque chose à l'instant, c'est vraiment difficile et ça prend du temps. Alors que quand vous avez quelque chose comme ça de déjà créé, de déjà fait, c'est facile d'ajouter. Par exemple, au niveau des kicks, il n'y a pas grand-chose à faire. On sait déjà comment les kicks sont joués en refrain, comment c'est joué en couplet. Et peut-être les autres instruments, parce que moi, je ne suis pas un percussionniste, donc je ne connais pas comment superposer les percussions, les roulements et tout ça, les feelings et tout. Donc du coup, moi, je joue juste, quand je joue les percussions, je joue au maximum 4. C'est-à-dire, je joue le kick, je joue les hi-hat, je joue les hats, ensuite je joue, comment on les appelle, les congas. Voilà. Mais là, dans le cas de figure, il n'y a pas de congas, il y a juste un hat, voilà, hat charlet, et ensuite il y a un kick et une caisse claire, c'est tout. Donc c'est vraiment quelque chose de simple sur le plan de percussion. Voilà, en termes d'instruments percussifs, c'est vraiment simple. Mais je pense qu'avec cette écoute-là, l'ingénieur pourra ajouter plusieurs choses qui seront encore magnifiques et merveilleuses. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est très intéressant de recueillir les avis et d'avoir ce que les autres pensent là-dessus comme point de vue. C'est vraiment important. Lorsqu'on essaie de ressortir les automatisations, on se rend compte que là, la flûte, au niveau de, à ce niveau, la flûte est voilà, elle est descendante. Histoire d'éviter la saturation, en fait, parce que la plupart des instruments ici sont en haut, donc, surtout au niveau de, voilà, de la guitare basse, ainsi qu'au niveau de, des strings, donc l'ensemble harmonique, le fil harmonique, il est aussi haut. Et donc là, on a essayé de baisser le piano et baisser la flûte également pour essayer de vraiment éviter les conflits entre les différents instruments. Thank you.
Voilà, donc pour ne pas avoir une vidéo qui dure 14 heures, merci à tous. Je vous invite simplement à vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous abonner et liker notre page Facebook, Rivano Gomez Officiel, et à nous laisser un commentaire, un like et partager. Voilà, on like, on partage et on s'abonne. Merci beaucoup. Je vous aime tous.